Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la vidéo spéciale concours de Noël. Donc comme je vous en avais déjà parlé dans quelques vidéos, j'ai hésité à faire un ou deux concours. Ce que je fais, je n'en fais qu'un pour Noël et j'en ferai un autre, je pense, pour la bonne année. Donc ça va pas tarder à arriver malgré tout. Mais je préfère voilà faire deux petits lots, un pour Noël et un pour la nouvelle année. Je trouve ça bien sympa de commencer l'année aussi avec un petit concours et d'en finir avec un concours. Donc voilà, donc il y aura bien deux concours, mais ils seront pas tous les deux pour Noël. Je vais donc vous présenter ce que j'ai mis de côté, des petites choses donc à vous offrir pour ce concours. Tout d'abord, avant de vous présenter bien entendu les articles que je vais mettre dans le lot, je voulais tout d'abord vous remercier mais profondément de me suivre tout simplement sur cette chaîne. Je suis ravie. Quand j'ai commencé en fait l'aventure YouTube, honnêtement, comment vous dire ça? Quand j'ai commencé, c'est bizarre à expliquer, mais voilà, c'était pas pour. Je ne sais pas comment expliquer ça, je ne mesurais pas du tout, je ne connaissais pas du tout YouTube en fait, mais puisque je n'allais même pas regarder de vidéos, j'ai connu YouTube par rapport au site que j'ai, je faisais des partenariats avec des filles qui avaient des chaînes, donc voilà, moi j'ai connu YouTube de l'autre côté, on va dire. Et comme j'ai été assez déçue d'être de l'autre côté par rapport au partenariat que j'ai fait, etc. Non pas que les gens critiquaient les produits que j'envoyais, pas du tout, c'était puisque j'ai eu des beaux partenariats, des filles sympas qui, voilà, qui faisaient le jeu, on va dire. Mais régulièrement, j'envoyais des produits à des filles qui, une fois qu'elles avaient reçu les produits, ne répondaient pas, ne faisaient pas les vidéos, bref, donc j'en ai eu marre. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas toi, t'es quand même capable comme les autres de parler des produits que t'aimes bien, de parler de ta passion, surtout qu'entre-temps, comme vous savez, je suis devenue naturo, enfin voilà, puis j'aime papoter, ça se voit, et voilà, j'aime les gens, etc. Donc je me suis dit, ma foi, pourquoi pas tenter aussi l'aventure ben, de l'autre côté cette fois, voir un peu ce que ça donne. Et je ne m'attendais pas à grand-chose, voire à rien en fait, je sais pas où c'est que j'allais, enfin voilà. Pour résumer mon aventure YouTube, ça fait peut-être un an, je sais pas, et quelques que j'ai la chaîne, je me souviens pas de la date exacte, quand est-ce que j'ai commencé, je sais pas exactement en fait, ça fait plus d'un an, ça c'est sûr maintenant. Honnêtement, je ne pensais pas avoir autant d'abonnés, c'était pas vraiment mon but. Alors effectivement, aujourd'hui que j'ai des abonnés, je suis hyper ravie, je suis contente et j'espère en avoir de plus en plus parce que pour le coup, c'est agréable de partager avec des gens agréables. Vraiment, j'ai de la chance, je n'ai très peu de brebis galeuses sur ma chaîne, donc ça c'est cool. De toute façon, quand il y en a eu qui sont passés ou avec des mauvaises réflexions, mais même pas à moi, sur des commentaires qui avaient été postés, je dégage en fait. C'est-à-dire, je mets pas les commentaires et je prends pas les gens. Enfin voilà, moi j'ai déjà enlevé des personnes aussi qui étaient abonnées sur ma chaîne parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Enfin bref, après on est tous différents, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il y a. Voilà, j'aime pas les gens qui sont là ou qui aimeraient être là par intérêt ou je sais pas vraiment. Il y a des fois, je me dis qu'effectivement, il y a aussi des ambiances un peu bizarres que j'ai découvertes il n'y a pas très très longtemps de ça. Mais je pense que ça fait partie du jeu et c'est pas grave puisque les meilleurs restent et c'est ce qu'on dit. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'être présents et présentes sur ma chaîne. Franchement, je suis ravie de cette aventure et j'espère que ça va continuer. Je vous avais parlé dans une vidéo, il me semble que c'était dans un live, que j'aimerais bien l'année prochaine peut-être faire un meet-up, mais genre au bord d'un étang, pique-nique, hein, on est d'accord, hein, rien d'exceptionnel, hein, pour être tranquille, se découvrir, voir si c'est possible. Je ne sais pas si pour vous ça sera envisageable ou pas. De toute façon, ça ne sera pas avant le printemps, l'été. Voir un peu où on va pouvoir se rencontrer pour que, voilà, que tout le monde s'y retrouve. Parce que bien sûr. On va pas aller à Marseille par exemple si la moitié sont à Paris, on est d'accord. Enfin voilà, moi je suis dans le sud. Donc s'ils pouvaient venir vers moi, c'est très bien, c'est génial. Mais je peux aussi faire l'effort d'aller un peu vers vous. Ou on va tous dans le Massif central, je me dis c'est au milieu de la France. Alors voilà, au moins on coupe la poire pour tout le monde. C'est pas le sujet pour l'instant. Le sujet, c'est vraiment des remerciements. Je suis ravie de cette chaîne en fait. Je suis ravie de ce que ça m'apporte. Tous les jours aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai en fait de vous avoir. Franchement, je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire un petit jeu concours. J'espère que ça va vous plaire. Dans ce que j'ai mis, il y a pas mal de produits. Il y a quelques produits bio, des choses non bio. Enfin, vous allez voir. Donc, ce que je vais commencer à vous présenter, c'est tout d'abord des choses que j'avais trouvées chez Noz. Donc, c'est des produits qui sont labellisés, que j'ai testés et approuvés. Voilà, donc il y a un gel douche et un lait pour le corps que je n'ai pas encore testé.
Moi, j'ai testé de cette marque, donc le gel douche et l'après-shampoing, que j'ai trouvé génial. Mais là, je vous ai fait un duo, on va dire gel douche, gel pour le corps. Je trouve ça assez sympa quand ça va un peu ensemble. Donc, c'est des grands volumes, ça c'est sympa aussi. C'est des 400 ml, donc vous en aurez pour un petit moment. Le gel douche, moi je suis en train de le terminer en ce moment à la maison. Je l'adore, l'odeur sent super bon. Vous allez voir, enfin pour celui ou celle qui va le gagner, vous allez voir, il est au top. Donc, c'est un shower gel, donc un gel douche oriental à base d'argan, il me semble. Voilà. Donc, je vous montre le packaging. Donc, c'est Biofa organique. Donc, c'est un flacon pompe. Donc, ça, c'est assez pratique aussi, ma foi. Ensuite, le lait corporel, c'est pareil. C'est un lait corporel à l'huile d'argan. Bio, toujours pareil. Donc, la même marque, hein, Biopharma, qui est comme ça, en 400 ml. Donc, là, ça vous ferait vraiment deux gros bidons, je pense, pour durer assez longtemps. Voilà. Donc il y aura ça. Il y aura donc le fameux démêlant que j'ai testé, que j'ai approuvé. Je vous en ai parlé dans une vidéo, mes produits terminés, parce que franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cet après-shampoing. Donc bien entendu, j'en avais pris parce que je les avais trouvés aussi à Noz. Je les avais trouvés vraiment pas chers, je trouve. Et vu l'efficacité, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je pense en remettre un peut-être dans le concours pour la nouvelle année pour ceux et celles qui aimeraient le tester. Donc là, c'est un format 250 ml. Toujours la même marque. Hein, donc c'est un après-shampoing. Donc ça vous fait un trio de la marque à tester. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Je vous ai rajouté aussi un gel douche de chez Born to Bio. C'est un gel douche qui est à la pêche de vigne. Donc qui est comme ça. Voilà, donc celui-ci je l'avais trouvé à Max Plus, donc c'est un 300 ml. Donc bien sûr ce sont des produits neufs, non ouverts et non testés, on est bien d'accord. Sinon je le dirai, hein, puisque d'ailleurs j'ai quelques produits qui traînent dans mes tiroirs, que j'avais dans des swaps ou des choses comme ça que je n'utilise pas. Donc je ne sais pas quoi en faire de ces trucs, donc un jour peut-être que je ferai un concours pour celles que ça ne dérange pas, que ça a été au moins, sans être vraiment utilisé, mais au moins testé une fois. Voilà, donc c'est pas du neuf, c'est pas fermé je veux dire. Ensuite, dans ce lot pour le concours, j'ai rajouté un lot de bagues en fait. De 4, 6, 7 bagues. Je vous les avais déjà montrées. Je vous les avais montrées dans une vidéo. Je les mets de temps en temps. Donc, ce sont des bagues. Je suis en train de me les remettre au doigt pour vous les montrer. Ça fera un peu mieux. C'est des bagues phalanges. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous les avais montrées lors d'une vidéo. Bon, voilà. Donc, il y en a trois comme ça. Une, celle-ci qui est vraiment sympa avec la petite fleur de lotus. Enfin voilà, en tout il y en a 7. Donc vous pouvez les disposer au niveau des phalanges sur différentes hauteurs, différentes phalanges. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Il y en a une qui est comme ça. Voilà, une autre qui est super mimi, qui est comme ça avec une petite fleur. Après, c'est des bagues, on va dire phalanges, que vous pouvez utiliser les 7 en même temps, mais vous pouvez aussi. N'en mettre qu'une et changer, on est bien d'accord, tous les jours en fonction de vos envies. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 7 en même temps. Moi, de temps en temps, quand je n'ai pas envie d'en mettre à des phalanges, parce que c'est voilà, c'est pas, c'est un peu, c'est original, mais je ne me verrai pas avec ça tous les jours. Par exemple, la petite lotus, elle est très très mimi, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le petit lot aussi. Bien entendu, c'est neuf, on est d'accord. Hein, enfin, je veux dire, c'est pas les miennes. Hein, c'est un lot que j'avais commandé en plus pour pouvoir vous les envoyer. Je les avais commandés sur AliExpress, donc je les trouve assez mimi. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui va les gagner. Ensuite, j'ai mis de côté, alors ça, je ne sais pas si ça vous plaira ou pas, de toute façon, dans le lot que la personne va gagner. Si ça ne, tout ne plaît pas, parce que des fois, on participe à des concours pour certains petits produits qu'on guette et qu'on aimerait bien avoir, mais il y en a dans le lot qui nous plaisent moyen, n'hésitez pas à les remettre en lot pour si c'est quelqu'un qui a une chaîne ou si c'est quelqu'un qui n'a pas de chaîne, mais n'hésitez pas à les offrir, ou enfin, bon, bref, faites-en ce que vous voulez. Hein. Une fois que c'est gagné, c'est à vous. Il n'y a pas de oui, elle a gagné, elle a revendu, ou elle a gagné, elle a donné, elle a gagné, elle a remis en lot. Ben, vous faites ce que vous voulez. C'est votre gain, c'est à vous, en fait. Hein, on est d'accord. Donc, je vais vous expliquer le prochain petit lot que j'ai mis, en fait, puisque c'est des échantillons. Donc, je sais qu'il y a pas mal de filles qui aiment bien les échantillons. Je sais que moi, à une certaine époque, je les collectionnais, c'est pour dire. J'avais la collectionnite un peu de ce genre de choses. J'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, c'est bien vite le bordel. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien les tester. Je sais aussi quand je vais dans des hôtels de temps en temps en déplacement, ce qui est assez rare, mais de temps en temps ça m'arrive. Je garde, je ne sais pas pourquoi, je n'en fais rien en fait, mais je garde les petits savons, les petites fioles de gel douche et tout, parce que je trouve ça mimi en fait au niveau du format. Donc j'en avais quelques-uns et je voulais vous en faire gagner. Alors c'est vraiment, c'est pas grand-chose, on est d'accord, mais je me dis que
Pour des gens qui font du sport, qui vont à la piscine ou qui partent un week-end, c'est peut-être des formats aussi qui sont sympathiques à glisser dans la trousse plutôt que de prendre les gros trucs. Bref, voilà. Donc il y aura un petit savon aux extraits de thé vert qui est comme ça. Donc ça, bien sûr, ça n'a jamais été aussi ni ouvert ni utilisé. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer le petit savon. Hop. Donc c'est un petit savon qui est comme ça, blanc, tout simple. Qui sent très bon le savon. Hein. De toute façon, le savon, ça sent bon, on est d'accord. Il y a aussi donc un petit shampoing gel douche, comme ça, un petit ensemble. Au niveau de la quantité, ça fait 40 millilitres. Donc voilà, donc ça c'est à tester pour ceux et celles avec qui auront gagné, qui ont envie de tester. Il y a un échantillon pour peau très sèche à tendance atopique visage et corps de chez Ducray. Donc ça c'est des marques parapharmacie. Dans la roche-posay, il y a un contour des yeux qui est comme ça. Donc ça, c'est des petites choses à tester pour ceux qui auraient envie. Ensuite, j'avais reçu, on m'avait envoyé dans un colis que j'ai reçu des échantillons de chez Neutrogena que je ne mettrai pas. Donc voilà, plutôt que de les jeter, bah, écoutez, j'en mets un dans l'eau. Comme ça, la personne pourra les essayer. En bio, j'ai mis aussi un échantillon de lait corporel pour tout type de peau à base de karité. Voilà, donc ça c'est à tester aussi. Je vous ai mis une huile d'arnica qui est comme ça dans un petit échantillon. Ça c'est bien à glisser dans les sacs à main. Moi je sais que j'en ai un puisque si mon tisse tombe et tout, j'ouvre et je lui en passe directement au niveau de la bosse ou etc. Donc ça je trouve ça assez sympa. Donc c'est pour ça que je vous en ai mis un aussi pour que vous puissiez le tester. Et j'ai mis donc un échantillon aquarelle, extrait d'émotion équilibrant, douceur de rose, harmonisant. Donc ça, vous l'avez vu dans ma vidéo, mes produits terminés. Voilà, donc personnellement, j'ai détesté cette odeur en fait. Je n'aime pas du tout. Mais il me restait des échantillons. Donc vu que le nez, c'est vraiment une question personnelle, je me suis dit, j'allais en glisser un pour que vous puissiez le tester aussi et dire ce que vous en pensez. Et vous faire aussi votre propre opinion, tout simplement. Ensuite, donc fini les échantillons, je vous ai mis une petite chose comme ça. Donc ça, c'est un petit chose pour nettoyer les pinceaux. Donc je ne sais pas si ça vous fait plaisir ce genre d'article. Mais je trouve ça assez pratique quand on a des pinceaux à nettoyer, histoire de bien les frotter dessus avec du savon. Et derrière, vous pouvez donc piquer vos pinceaux et les faire tenir pour les faire sécher. Donc ça, je trouve ça assez pratique. Moi, je sais que j'en ai un à la maison. J'en avais déjà fait gagner un il y a quelques temps de ça, même il y a assez longtemps sur la chaîne. Donc je voulais en remettre un dans ce concours. Voilà, donc il me reste trois produits à vous présenter. Je vous ai mis donc un collier que j'avais commandé sur un petit site bien sympa que je vous remettrai le nom, je me souviens plus, c'était Panda, je sais plus, c'est une Miss Tinguette qui a une chaîne aussi, c'est la chaîne de, je vous mettrai de toute façon ses coordonnées, ses liens, voilà, sous la vidéo, je vous mettrai tout ça. Donc ça c'est un petit collier que j'avais commandé sur du coup sur son site internet, donc c'est une créatrice de bijoux bien entendu. Et voilà, donc moi je lui avais commandé des petits bracelets, j'avais commandé pas mal de Bonjour tout le petites monde, j'espère que choses. vous allez. Je suis en train de lancer en fait une recherche parce que voilà, parce que je ne me souvenais pas de la totalité du nom de sa chaîne YouTube. En fait, sa chaîne c'est Petite Chris Green Zen et Cosmétique. Voilà, donc je vous mettrai de toute façon sous la vidéo le lien de sa chaîne et de son site, surtout pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Donc moi j'avais commandé ça en plus pour vous le faire gagner. Donc c'est une fleur de lotus. Franchement, regardez, j'ai adoré la finition. Donc c'est fini par une petite perle. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Donc j'espère que cette petite fleur de lotus portera bonheur dans la vie à la personne qui la recevra. Franchement, j'espère vraiment qu'elle vous portera chance, tout simplement, et qu'elle vous apportera tout le bonheur que vous méritez. Il reste donc deux articles à vous présenter. Je vous ai mis donc un petit coffret qui n'est pas bio, mais que je trouve assez mimi. Et voilà, donc j'ai voulu vous le mettre aussi. C'est une crème pour les mains qui, on va dire, cette saison, vu qu'on est en hiver, hein, bientôt. On a les mains qui sont beaucoup plus sèches par le froid, etc. Donc je voulais vraiment vous mettre une petite crème comme ça pour les mains. Et il y a un petit roll-on parfumé, en fait un petit parfum en roll-on vanille gourmande qui se présente donc comme ça. Et ça franchement je trouve ça mais trop trop mignon comme petit paquet. Voilà donc il y aura ça en plus. Et pour terminer, il y aura, je vous en avais parlé dans une vidéo, un parfum de la marque Mes Parfums Préférés. Donc ça c'est le Sampola. Et ça équivaut à Lolita Lempicka en fait. Je vous l'avais présenté dans une vidéo parce que j'avais refait un partenariat avec eux et ils m'en avaient offert un deuxième pour que je puisse vous le faire gagner. Donc il sera mis
dans ce lot concours. Voilà, donc j'espère écouter que ce lot vous plaira. Il y a un peu de tout, il y a un peu de maquillage, pas de maquillage du tout d'ailleurs. Il y a pas mal de soins pour le corps, donc du lait, des gels douche, voilà, crème pour les mains, des petits parfums, des bijoux, des petits échantillons. J'espère que, bah, écoutez, que ça vous plaira, qu'il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Je vous embrasse bien fort. Je tenais encore à vous remercier, mais du fond du cœur, d'être présent sur ma chaîne. Je suis ravie, je vous en remercie, mais vraiment, merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo. Ça me permet aussi, bah, du coup, de me faire connaître, hein, tout simplement. On est bien d'accord. Donc, les participations, les conditions de participation, bah, écoutez, c'est les mêmes, hein. Être abonné à ma chaîne, liker la vidéo, m'envoyer un petit mail. Donc, à l'adresse mail qu'il y a sous la vidéo. De toute façon, toutes les conditions seront notées dessus avec une capture d'écran. Et mettez-moi un petit message sous la vidéo sans mettre merci pour le concours ou je participe au concours puisque c'est interdit par YouTube. Donc, mettez-moi un petit coucou. Et puis voilà, de toute façon, pour les conditions, regardez en dessous, ça sera, voilà, ça sera, je vous les annoterai sous la vidéo. Et la fin du concours sera, le résultat du concours sera mis en ligne le mardi 19 décembre. Voilà. Donc ça sera mis, je pense, le mardi 19 vers 8h du matin, quelque chose comme ça. Je vous embrasse, eh bien, toutes et tous. Je vous dis donc merci encore du fond du cœur et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!